négocier ce duel. La relance d'Alex Subin. Martin Charpentier au passe. Et but, et but de Martin Charpentier. Incroyable. Le but du capitaine. Ah, il lance la soirée, Martin. Ah oui, c'est... Autant on peut louer ses qualités de défenseur, autant il n'est pas connu comme un buteur, Martin Charpentier. Mais là, il n'a pas loupé le coche. Défie un contre un avec le gardien et il a mystifié complètement Rébon. Ouais, le capitaine qui monte la voix. Ouais, très inspiré. Martin qui porte toujours une grille de protection hein, après un palais reçu dans le visage il y a quelques semaines. Ouais, début de soirée idéal. On va voir la réaction des Tourangeaux. Hein. On tentait sa chance plus vite, Thomas. Il y avait le 2-0 au bout de la crosse, là, Thomas Méchala. Bon, après, c'est pas un attaquant. Et ça reste en Fougéric place. Fougéric, oui. Le voilà, le but de la première ligne. Dominique Fougéric, et c'est le 2-0 pour les Wildcats. Et ouais, double l'avantage. Voilà, suffisait de les titiller un peu. Super but de Dominique Fougéric. On avait senti le coup, Nicolas. Ouais. Fallait les motiver. On va dire ça. Ouais, très beau jeu là de Fougé. Belle récup là. Ouais, super. Il défier est bon. Ça passe dans un trou de souris. Ouais. Lucarne à droite, ça rebondit à gauche. Il y avait une première alerte et ouais. Des remparts de tour. Jacquet à la mise au jeu. Et le public qui pousse plus que jamais. Récup Ritz. Au jeu se projette avec Anthony Rappen qui est lancé, qui tire. Oui, et le 3. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'est super. On n'a même pas eu le temps de dire que ce 4 contre 4 allait clairement, pouvait clairement faire les affaires d'Épinal. Et c'est le cas. 3-0 pour Épinal grâce à Anthony Rappen. Plus d'espace, le patinage et la vitesse de patinage d'Anthony Rappen. On avait connu Simcoe et Épinal qui était aussi passé par Tours d'ailleurs. Grosse accélération et ouais, Rébon se fait pour la troisième fois de la soirée passer. Et 3-0, ça commence à sentir bon pour les. Il est allé défier, ouais, bonne occasion. Fugéric, encore Tchak, le tir et but. Et de 4 et, voilà. Et de 4 pour les Wildcats. Le compteur est débloqué. 4-0. On pensait pas Épinal être à pareille fête quand même contre cette défense tourangelle, mais qui est en train de plier sous la vitesse de jeu spinalienne et les coups de boutoir des Wildcats. Ouais, paradoxalement là c'est ce 4 contre 4 et cette infériorité numérique qui a complètement relancé Épinal dans le troisième tiers. Et voilà le but de Peter Rehorchak, vous l'entendez. Voilà, il nous a entendu, c'est son troisième hein, pour durant cette phase de playoff. Deux buts de la première repousse. Antoine Bonvalour en deux temps. Lui aussi il est en mode playoff, Antoine. Ouais. Ah, la belle passe, mais se couche bien. Et but. C'est rentré. Il sauve l'honneur, les Tourangeaux. Oui. 4-1, 9 minutes à jouer. Attention. Ils sont allés le chercher celui-là. Ouais. Celui-là, c'est à l'envie. Hein. Clairement, Antoine avait fait l'arrêt. La défense s'était repositionnée, mais avec la rage, avec l'envie, ils sont allés chercher ce but. Déjà pour le principe, pour l'honneur, ne pas être fini. On va voir ça de près. Et puis pourquoi pas, on sait jamais, il reste 8 minutes pour relancer la partie, une pénalité, ça va tellement vite en hockey que... Je vois pas trop où aller passer, si peut-être le long des poteaux. Et puis Spinalien prêté au Tourangeau. Bayonnais d'origine, 20 ans. Évoluant en Magnus. International junior. Enzo qui arrive face à Antoine Bonvalot. Et ça passe, tout en finesse. Et 4-2 à 7 minutes de la fin du match, rien n'est fait. Le match est complètement relancé. Pourtant les Wildcats avaient la partie plus qu'en main à 4-0. Les remparts étaient au fond du gouffre. Et ce but est joué, mais ça sort pas de la zone. Ça veut pas, si, ça y est, ça y est, ça y est. Il n'aura pas le temps de... Si, c'est gagné. Voilà. 5-2. Cette fois c'est plié. C'est plié. Sauf que Maxui n'est pas content. Et il s'est fait dégager par Rehorchak pour filer à la cage. Oh, voilà. Cherche les embrouilles là, Max Wynn. Alors on va revoir l'action, voir s'il a un petit peu raison de râler le défenseur canadien. On voit ça, La charge n'est pas propre sur Carrie. C'est plutôt là-dessus que c'est contesté, parce que là, il essaye de le retenir, mais il passe. Rehorchak tire rageur dans le filet, mais c'est vrai que c'est sur le
passage ouais, à la bleue où ouais, 44 prend une charge pas super propre. Il y a eu le même genre de charge de l'autre côté. Bon, c'est les playoffs, c'est pas un attentat, mais c'est vrai que c'est pas super clean. Après, ouais. Clairement, je vois pas les arbitres refuser un but.